Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit pain complet réalisé au Thermomix, mais cuit et aussi la pousse au air fryer. Donc, on aura besoin de 400 ml d'eau, 400 g d'eau, 11 g de levure déshydratée. Je vais créer mon levain en mettant mon Thermomix à 2 minutes à 37 degrés Celsius en vitesse 2. Je rajoute 500 g de farine T150. Si vous voulez pas de la farine complète, passez sur la farine T55. Vous mettez à ce moment-là que 300 ml d'eau, 300 g d'eau pour le Thermomix. Je rajoute 30 g d'huile et 10 g de sel. Et on va pétrir en mode pétrin pendant 5 minutes. Après 5 minutes de pétrissage, voilà ce que ça donne. La pâte est un petit peu collante, mais c'est un petit peu normal, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Je mets d'un petit peu d'huile mes mains avec de l'huile d'olive et je forme ma boule. Et là, je vais mettre mon premier programme pour lever ma pâte en mode prouve pendant 40 minutes à 35 degrés Celsius. Je mets en méga zone et c'est parti. Après 40 minutes, voilà ce que ça donne. Ma pâte a bien gonflé. Elle a doublé, voire triplé de volume. Et là, on va former nos boules. Il faut bien se huiler les mains parce que c'est collant. Allez, c'est parti. Voici la première boule. Je vais former toutes mes boules et je reviens vers vous. Voilà, c'est fait. Et là, j'ai mis donc mes grilles, du papier sulfu. Et là, avec des emporte-pièces que j'ai achetées, je mets mes petits pains pour avoir des belles formes. Et là, je vais faire ma deuxième pousse. Donc 35 degrés pendant 30 minutes en mode prouve. En méga zone toujours. C'est parti. Après 30 minutes, voilà ce que ça donne. Et là, je passe en mode bake à 160 degrés Celsius pendant 20 minutes. Je retourne à partir de 12 minutes de cuisson. Et voilà, ça croustille, c'est aéré pour du pain complet. Et franchement, c'est très bon. J'ai goûté avec de l'huile d'olive, c'est vraiment super bon. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à bientôt. Mon pain va accompagner mon tagine que j'ai filmé et que je vais vous poster très rapidement. À bientôt, bon appétit.